Coucou tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'un accessoire pour le téléphone. Alors je l'ai trouvé sur Wish, donc j'en ai eu à peu près pour 4 euros en tout. Et il y avait plusieurs coloris, il y avait du noir, du rouge, du rose, du vert il me semble. Le produit se présente comme ceci, vous avez la grosse pince. Donc je vais appeler ça une tige, hein, parce que je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Et du coup là vous avez l'embout. Donc vous devez mettre le cercle à l'intérieur et ensuite vous mettez l'embout à l'intérieur comme ceci, hop, pour que ça tienne. Hein. Et ensuite vous prenez le cercle et vous le fixez comme ceci. Enfin, ça va être trop fixé, j'ai l'impression. Bon, je sais pas si c'est de la mauvaise qualité, mais j'arrive pas plus à enfoncer que ça. Enfin, ça fera ce que ça fera. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez le tourner dans tous les sens au niveau de la rotation. Donc c'est bien par rapport à comment vous voulez mettre votre téléphone. Donc une fois qu'on a assemblé ceci là, donc là vous avez la pince pour le téléphone. Et ce qui est bien là, vous avez de la mousse juste ici pour pas que ça abîme votre téléphone. Donc du coup ça va faire un bon maintien. Et ensuite là, vous avez la grosse pince que vous pouvez mettre soit sur la table ou la table basse. Et là vous avez carrément la tige que vous pouvez mettre dans tout. Enfin, vous pouvez la tordre dans tous les sens comme vous voulez, l'arrondir comme ceci, ou la mettre carrément toute droite et tout. Par contre, je trouve qu'il est un peu dur à étirer. C'est parti, je vais tester le produit. Donc moi, je mets bien où il y a les coussinets hein, au niveau de là, parce que si j'enfonce trop, bah, j'ai pas l'impression que ça tient. Donc je mets où il y a les coussinets. Voilà. Ensuite, le câble, je vais le fixer comme j'ai envie. Donc... faut bien avoir de la force hein, pour le déplier parce que il est un peu costaud quand même. Donc une fois que vous avez tout bien ajusté comme vous voulez mettre votre téléphone, maintenant vous n'avez plus qu'à mettre votre téléphone. Donc je vais utiliser la petite pince pour le téléphone. Hop. Donc voilà. Donc voilà le rendu, ce que ça donne avec le téléphone. Donc là on a l'écran de verrouillage, donc là on a l'accueil, donc c'est un peu chiant parce que ça se coule dans tous les sens. Donc si je bouge comme ceci, comme celle-là, ouais bah ça va, c'est juste qu'il se coule, donc c'est un peu chiant. En tout cas si vous voulez écouter de la musique, donc c'est nickel. Donc là vous mettez directement bah, votre casque ou vos écouteurs pour écouter la musique, ou regarder un anime, un film, enfin tout ce que vous voulez quoi. Donc du coup ça bougera pas, donc ça c'est bien. Donc du coup ce que je vais faire, je vais prendre une vidéo sur ma chaîne au hasard. Donc ouais je vais prendre celle-ci. Donc bon, là comme vous voyez ça va super bien, on voit bien et tout, donc c'est génial. C'est stable, on peut regarder tranquillement, il n'y a pas besoin de tenir avec sa main et tout, jusqu'à que le téléphone nous tombe au visage. Hein. Truc classique hein, que je pense qu'on a tous hein. Moi je sais que quand je regardais avec mes mains je tenais mon téléphone pouf le téléphone il tombe au visage, super. Mais ouais, pour dire que c'est génial je trouve. Donc aussi l'avantage avec cet accessoire, c'est que vous pouvez tourner comme vous voulez votre téléphone et tout, c'est super génial. Donc si ça va pas comme vous voulez quand vous regardez votre vidéo, votre film, enfin peu importe, eh ben, vous pouvez le stabiliser comme vous voulez. Donc ça, franchement, ça c'est super aussi. Ce que je pense de ce produit, je trouve qu'il est bien, il est adapté au téléphone et tout, donc c'est royal. Vous pouvez vous mettre dans votre lit, ou sur la table basse, c'est top pour regarder la vidéo. Par contre, je trouve que c'est un petit peu dur à tordre. Donc si vous avez de la force, bon, je vous dis chapeau, parce que moi j'en ai pas forcément. Et par contre, ceci, si vous bougez trop votre téléphone et tout, ça ne tient pas forcément. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et tout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et mon compte Instagram. Et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bye bye!